forced to get as much as you can. You can always use a little extra cash at Christmas. Et salut tout le monde, c'est Damien Tarzila. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire White Christmas. Donc une mission qui vient d'apparaître récemment suite à un update. Update de 2,9 Go qui a mis en place le Thompson, donc le Chicago Typewriter. Je vais pas m'en servir. La mission elle est en overkill, donc je veux pas. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. J'ai pas le Oxod. C'est aussi très problématique pour moi parce que ben avec le Oxod j'avais l'avantage de me taper je voyais les headshots quand je faisais une décapitation et tout. Là j'ai un petit peu perdu l'habitude, mais bon, donc je sais un peu comment la mission fonctionne vu que j'ai eu ben j'ai tenté de vous faire ça en vidéo. Je suis mort vraiment à la fin devant l'hélicoptère. Et ça me fait bien chier parce que franchement, j'étais arrivé à un truc, j'avais sécurisé pas mal de sacs. J'avais sécurisé genre 6 sacs et ça m'avait un peu fait yesh, hein. Donc voilà, donc en gros le mec il est épave, hein, tout simplement. Il sort du truc. Vous allez voir, hein, le mec il est assez sympa. Donc, des fois quand tu restes à côté de lui il fait rien, et des fois voilà. Donc voilà, le mec il est totalement fin bourré. En plus vous voyez qu'il est vraiment sapé comme un mec de Noël, quoi. Il est sapé avec un chapeau et une petite écoutez bien les petites réactions qu'il dit, c'est assez drôle. Tout à l'heure il m'avait dit des carottes, mais j'en ai pas mangé depuis 1994. Allez, allez, avance. Surtout que c'est juste là, hein, qu'il faut aller. Je trouve ça genre épique comme mission. Putain, le monde cag avec des tannes. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Non mais genre, je pourrais avoir une meilleure RNG, s'il vous plaît. RNG, please. RNG, quoi. Non mais, j'aime mieux un départ aussi dégueulasse que ça, quoi. Voilà, il est safe. Donc le but est de sécuriser les sacs. Et ferme ta gueule, y'a pas de civil, connard. Donc, on va faire un truc débile, on va mettre un sac médical ici. Qui est selon moi... worth it, hein, c'est vraiment... on en a besoin. Je dis pas qu'il y a beaucoup de flics, mais il y a énormément de flics. Et donc, moi, ce que je voudrais, bah, je voudrais qu'il y ait des packages qui arrivent, hein. Donc voilà, ça ce sont les tannes, hein. Donc les tannes je leur fais no damage avec mon flingue. Bon, ceux-là je les one shot, les tannes je les two shot. Sauf que vu que j'ai pas l'oxol, je vois pas la... Je vois pas l'indicateur de tir dans la tête en fait. Donc voilà, donc en gros il y a des petits trucs à ramasser, des colis. Et vous avez en fait des petits cadeaux de Noël remplis de cocaïne. Enfin moi j'ai eu que de la cocaïne pour l'instant. Ça m'a fait bien rire parce que je me suis dit, ils ont quand même fait un truc assez abusé. Voilà. Donc en gros faut demander au mec d'aller jusqu'à l'hélico. Et après vous allez voir que la deuxième partie de mission est la plus sympa. Enculé de sniper. Voilà, wino, hein, ça veut dire alcoolique. Pour les gens qui veulent savoir, voilà. J'adore.
juste pour ça. Et j'ai pas pris Dominator, donc le truc qui fait que tu peux faire des alliés. Et franchement, c'est genre épique d'avoir un mec, un gars tanné, un tan. Donc, les gars, faisons un bonhomme de neige comme il a dit. Oh. J'ai bien aimé les petites animations un peu lol. Donc avec l'Oxod, hein. J'ai jamais eu ce drop d'hélico. J'espère genre ne pas me péter un coup de snipe, puisque le sniper c'est le pire ennemi, hein, de... C'est le pire ennemi de l'overkill et du truc, étant donné que le sniper te one-shot, d'accord. Enfin, il te one-shot. Il a une forte probabilité de te one-shot. Voilà, et c'est là que la mission prend tout son intérêt. En gros, il y a des petits cadeaux de Noël à récupérer. Et dans les cadeaux de Noël, eh ben il y a de la coke. Et un sac de coke en overkill. Non, c'est quoi qui me tire dessus? C'est quoi qui me tire dessus? C'est quoi qui me tire dessus? Ouais. Donc là, en gros, il faut ramener la coke. Ouais. Voilà, on fait des petits coups de surin comme ça, ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien vous montrer un cloqueur, parce que les cloqueurs, en fait, quand ils font un petit bruit un peu dégueulasse, du genre ils font cling 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 cling. Et ça m'a fait juste. En fait gaffe parce qu'on peut mourir en zipline, donc vraiment mourir. Ce qui m'a d'ailleurs fait foutu sur le cul, étant donné que la première fois je suis mort en zipline. Et hop. Donc je suis mort au départ, hein. Je suis tombé comme une vieille merde. Voilà. Dallas a été abattu, 60 mètres. Il casse les couilles Dallas, hein. Donc on va aller le chercher parce que j'ai besoin de lui, hein. Non, 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 arrêtez de me tirer. J'ai rien fait, je suis un civil. Je suis innocent. Casse les couilles là avec leur putain d'unité spéciale et leur tan là, ils voudraient pas me foutre des flics normaux là, les bons vieux weak cops dégueulasses, hein. Comme ils m'ont mis tout à l'heure, j'ai eu la pire RNG du monde. J'ai eu un bulldo. Ça faisait même pas 4 minutes que ça commençait. Ils seraient pas en train d'embarquer mon sac. Non, ils embarquent pas mon sac. Et donc, ouais, la mission elle peut être extrêmement longue comme elle peut être extrêmement courte. Et encore de la coke. Et franchement, à 4 elle peut avoir son sens, mais tout seul, putain ce que c'est dur. Il y a des mecs qui pop de partout, j'ai eu des... Ça dépend bien sûr de votre RNG, hein. Mais moi je me suis tapé du... Je me suis quand même tapé un truc du genre... Le sniper il meurt, il décède. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin, hein. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je bute un snipe, il respawn, je rebute, il respawn, je le rebute, il respawn, et j'en ai eu genre 6. Non. Oui. Donc voilà, donc en gros, pouf, on est sur, on doit être sur un truc du genre 600 000 par sac, je vais encore en faire un. Parce que la mission sont vraiment pas chiées en termes de thunes, hein. Je vais essayer de faire un. Donc voilà, donc soit je me barre, soit je me reviens
Il me fait trop rire, Vlad. Hop. C'est gratos, hein, donc je prends. On va répéter une flare. Donc notez que la flare, une fois qu'elle est usée, elle est usée. Hein. N'oubliez pas hein, que... Moi, alors moi, je prends un barrette 50. Pourquoi je prends un barrette? J'ai eu des bulles d'eau. J'ai eu tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai eu. Je l'ai eu. Là, on a déjà commencé par des tannes et pas mal de shields. Moi, là c'était infesté. Il y avait au moins 10 shields ici. Franchement, 10 shields, je suis pas trop fan. Hop. Hop. Ils me font chier, là. Un tan devant la gueule. Hop. Le pire c'est que les tans ils font pas trop de dégâts encore par rapport aux autres, mais parce qu'ils ont pas de pompe. Mais c'est le fait de pas prendre de damage en fait. Hop. Toujours rester avec voilà, pure cocaïne, c'est genre trop drôle, c'est pour ça qu'elle coûte aussi cher hein, par rapport aux autres. Alors, antenne, c'est. Je pense c'est là-bas. Bon, voilà, bon, là, j'essaie de faire des. De faire en sorte de pas tuer tout à chaque fois les flics. Donc, faut zipline. Hein. Alors, faut avoir beaucoup de vie pour zipline parce que zipline, c'est un peu le moment. Ouais, c'est là-bas. Zipline. Aïe. Those nicely wrapped packages of coke are still coming down. Bring as many as you can. Épique le fait de pouvoir monter sur le rotor. Bon bah Dallas c'est foutu hein, je vais voir. Si je peux choper un cadeau, je chope un cadeau et je me casse. Colombian cocaine. Donc ça dépend des trucs, donc celle-là peut-être qu'elle donne que moins. Ah non, elle donne toujours autant. Donc voilà, là j'ai quand même ramené déjà 4 sacs. Je vais me barrer et vous allez voir l'argent que je vais récupérer. Claustrophobia. Voilà, 332 000. La mission, elle est hyper rentable. Elle te donne masse XP, masse argent, je trouve, hein, pour le peu de temps et le risque que j'ai mis. Et franchement, elle est genre trop drôle. Elle est trop drôle parce que tu peux pas camper sur ta position vu que l'hélicoptère, il a 2-3 spawns. Il a 3 spawns, en gros. Il a en bas, là où on a ramené le pilote. Il a là où il y a les flares et il y a l'antenne. Donc c'est vraiment un truc assez sympa à faire. Je vous conseille de la faire. La première fois que j'avais fait, je voulais vous parler en même temps de certaines armes. Donc je voulais vous parler de la Chicago Typewriter. Je pense que je vais vous le faire tout de suite et je vais vous parler en même temps de l'AK5 en vitesse. Donc pour ceux qui voulaient juste voir le White Christmas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Pour les autres qui sont un petit peu intéressés pour un peu plus de gameplay, eh ben, je vais vous montrer un petit peu deux armes, une qui me plaît énormément et une qui me déplaît énormément, tout simplement. Donc on va dans Mallcrasher en overkill, c'est parti. Donc l'arme qui me plaît, l'arme qui me plaît, c'est très simple, c'est la Thompson. La Thompson, franchement, j'ai jamais vu une arme aussi... Elle est étrange. Parce qu'en fait, elle a quelque chose qui me plaît, mais vraiment beaucoup. Mais vraiment. Il y a ce petit quelque chose qui fait que... Je sais pas, j'ai toujours été attiré par cette arme. Et l'avoir dans ce jeu-là, vu que c'est vraiment une arme de braqueur pro, quoi...
franchement, j'étais plus qu'agréablement surpris quand je l'ai vu, quoi. Et franchement, je l'attendais. Je l'attendais vraiment beaucoup. Et l'arme que je ne supporte pas, c'est cette AK5. Alors, pourquoi je ne supporte pas l'AK5? Alors, l'AK5 a des avantages plus que conséquents. Mais vraiment, hein. Elle a des avantages plus que conséquents. Elle a beaucoup de balles. Elle a une bonne cadence de tir. Niveau vitesse de rechargement, c'est plus que sympa. Franchement. Et elle a un défaut, c'est les dégâts. Ce qui fait que cette arme, en fait, hein, elle est pas viable. Tout simplement, elle est juste pas viable. Parce que bah, tu joues en difficulté overkill, les ennemis, les TAN, ils ont je sais plus combien de PV, mais en gros c'est 2 headshots pour eux. Et avec cette arme, c'est... avec cette arme, c'est 4-5 headshots pour un TAN, qui en gros en paye une arme ignoble. Et regardez la magie, et tu pètes et la voiture et les trucs derrière. Donc ça, c'est le seuil de la rentabilité extrême, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un snipe. Non. Et en gros, cette arme, elle est vraiment, mais vraiment médiocre. Vraiment, hein. J'ai augmenté, elle fait 25 de dégâts, mais mais par défaut, hein, par défaut, c'est 20 de dégâts. 20 de dégâts, c'est la moitié. Voilà, c'est 4-5 body shots pour un mec normal, ce qui en fait une arme vraiment médiocre. Voilà, elle est très précise, elle est tout ce que tu veux, mais non, merci. Alors que la Thompson, c'est une secondaire, on fait assez mal par défaut. Elle fait assez mal, elle fait 23 de dégâts. Donc elle fait autant de dégâts qu'une car 4. On peut la modder pour atteindre les 33 de dégâts avec le Funnel of Fun. Donc ça en fait une arme qui peut taper dans les 30 de dégâts. 50 cartouches dans le chargeur, 150 cartouches de réserve. Ça recharge quand même assez vite. Putain, j'ai eu peur, extrêmement peur. J'ai eu un méga ralentissement, je pense que c'est mon disque dur qui est rempli. Et en gros, tu as une arme qui est vraiment jouissive. Elle est vraiment jouissive, tu prends du plaisir à jouer avec, elle est vraiment vraiment bonne, quoi. Elle tue bien, elle tue quand même assez vite. Elle est précise, elle a une grosse stabilité. C'est le pistolet mitrailleur qui a les 150 balles de réserve, qui a la plus grosse stabilité par défaut. Ce qui en fait vraiment une arme de choix, hein, pour les mecs qui veulent taper dans les armes qui ont de la stabilité, qui ont un certain DPS. Et ça en fait une super bonne arme. Là, vous allez voir, donc là il est là, hop, il est mort. Ah bah Hoxton, vas-y, bien joué Hoxton. Ah. Ne meurs pas Hoxton, hein. Nickel. Donc voilà, t'as une arme vraiment, vraiment, vraiment bonne. Et t'as une AK5 qui coûte hyper cher. La K5 c'est 700 000, hein. C'est 749 000 je crois. 749 000, 20 de dégâts, une précision, alors 16 de précision par défaut, la stabilité elle est pas dégueu du tout. Le seul problème c'est qu'elle est viable nulle part. Elle est vraiment viable nulle part parce que tu prends n'importe quelle arme, tu peux prendre une car 4, tu la payes 40 000, tu mets... 400 000 dans les upgrades, elle est meilleure en tout point. Elle est meilleure en tout point. Donc je prends la car 4 parce que
je prends la Car 4 parce que c'est pour moi c'est l'arme de cette licence de référence, même si je joue jamais avec. Oh sympa. Je joue jamais avec parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui joue avec. Cette arme là par défaut a des stats correctes, mais c'est les dégâts, les 20 de dégâts. Elle aurait 25 de dégâts, elle serait ça pourrait être un upgrade d'une JP36 qui a des stats plus que correctes. La JP36, on est sur 19 de stabilité, 12 de précision, 25 de dégâts. 22 de stabilité, 16 de précision, 22 dégâts. Franchement, je préférais perdre 6 points de stabilité pour gagner 5 points de dégâts, ou même ne serait-ce que 3 points et atteindre les 23 de la car 4. Parce que là, on est sur un truc, si vous voulez maxer les dégâts, et ben voilà, vous vous retrouvez avec une arme qui a 30 de dégâts, qui se tape 12 de précision. 12 de précision, alors après tu peux la modder, hein. Tu peux vraiment la modder pour augmenter encore un petit peu les dégâts. Tu peux atteindre 33 de dégâts avec. C'est tout, c'est le maximum que tu puisses atteindre, c'est 33. 33, j'ai envie de te dire... c'est bien, mais l'arme elle coûte vachement cher. Je prends mon JP36. Putain, il a 32 dégâts. Il a 32 dégâts. Il a 30 balles en plus. Il tire aussi vite. Il a plus de stabilité. Et juste ça, quoi. C'est juste qu'il a plus de stabilité. C'est vraiment une très bonne arme. Tu prends. Et encore, ma JP36, je l'ai pas modé. S'il serait bien modé, je lui fous la crosse de snipe. Je mets la poignée avant Polizei, je peux passer sur un Funnel of Fun, et je passe à 35 de dégâts. Je passe à 35 de dégâts avec une arme qui aura toujours une bonne précision, une bonne stabilité et tout. L'arme, elle est rentable. C'est le JP36, il est rentable. Il est rentable, alors que la K5, pour l'argent que tu dépenses dessus, si tu veux augmenter les trucs, donc l'arme, elle coûte déjà 700 000, plus... 250 000. Si t'as pas les DLC, bon ben tu vas mettre un crash feu. Je suis d'accord, hein. Tu vas mettre un crash feu, donc c'est encore 200 000 en plus. Tu vas vouloir peut-être même augmenter un peu la stabilité de l'arme. Donc, enfin par défaut ce truc-là, ça augmente un peu la stabilité. Mais tu vas vouloir peut-être même essayer d'augmenter un peu les trucs. Mais l'arme, par défaut, je la trouve pas rentable. Et c'est surtout le prix. Le prix de cette arme, elle est abusée, quoi. 749 000 pour une arme qui est moins efficace que la plupart des armes qui coûtent moins cher, quoi. Pour dire, hein, tu prends un UAR, t'as 30 balles de moins, t'as 8 de dégâts en plus. Niveau précision, t'as 2 en moins. Niveau stabilité, bah, par défaut, celle-là, elle a 18, celle-là, elle a 22. Tu perds 4 en stabilité, tu perds 2 en précision. Tu gagnes 8 en dégâts, tu perds 30 balles. Mais au moins, ton arme, elle t'a coûté... 500 000 de moins, et une fois que tu l'as modé, l'UAR peut atteindre les 40 de dégâts. Un UAR, ça atteint 40 de dégâts. Je sais pas si je l'ai encore, l'UAR. En gros, l'UAR, tu mets un canon long, tu mets canon long, Funnel of Fun, l'arme, elle a 40 de dégâts, et en gros, elle est efficace en overkill. Après, pour le Death Wish, il faut avoir 47 de dégâts, donc c'est là où il y a certaines armes qui valent le coup, notamment... la MR16. Donc la MR16, en gros, je vous dis, hein, donc là j'ai mis un canon long dessus. Canon long, donc il faudra mettre un funto noir. Vous mettez le funto noir. Ensuite, on va mettre qualité d'antan. En gadget, donc moi j'ai mis un module laser compact parce que je trouve que c'est vraiment génial. Tu fous une poignée en caoutchouc pour augmenter la précision. Tu mets pas le quartz tact mag, hein, tu vas mettre plus soit un chargeur tactique, soit un 1000 spec. Voilà. Au niveau des viseurs, tu mets le viseur que tu veux. La crosse, une crosse usagée, hein. Franchement, c'est le mieux, hein, 4 de précision. Et après, tu mets exotique. Et donc là, avec un truc comme ça, on serait sur les 47 de dégâts, qui en fait 40, qui équivaut à 47,5, ce qui est le seuil de dégâts pour le Death Wish. Le Death Wish, c'est 47 de dégâts. Le overkill, c'est 40 de dégâts. Donc en gros, tu prends une car 4. Donc je vous montre la car 4, comment je l'ai modé moi. Donc là, j'ai mis un compensateur de compète. Si tu mets un crash feu, c'est encore mieux. Donc ouais, tu mets un crash feu, c'est encore mieux. Donc un crash feu, le canon long,
T'atteins les 40 de dégâts comme pour rire, hein. Donc là il y a en plus le Rai Gazelle que tu peux monter dessus, qui est genre hyper rentable, qui est meilleur que la prévente spéciale. La carcasse que j'aime pas, c'est qu'elle est trop facilement modulable, mais vraiment, elle est trop facilement modulable. Donc en gros l'arme elle fait 23, tu peux monter à 25, donc 25 de dégâts, je pense, parle en dégâts, hein, en termes de dégâts, donc 25 avec la poignée avant, on est sur 30. Ensuite, tu peux monter à 37, même 40. Et avec le canon long, tu peux monter à 45. Et normalement, à 45, ton arme, elle est 45. Et si jamais tu veux vraiment, vraiment te la faire en port, tu montes à 47 avec le tir automatique, et là ton arme elle est faite pour le death switch. Le seul problème c'est que ça va être au niveau de la précision. Après, va falloir que là t'as moins 4 de précision. Avec le canon long, t'as de la précision en plus normalement. Enfin, ça fait moins 4, ça fait moins 2. Donc là t'as moins 2, donc ça fait moins 4. Moins 4. Va falloir que tu te mettes genre un truc qui augmente la précision pour qu'elle reste correcte. Hein, donc. Voilà, là, soit une poignée pro, soit une poignée en caoutchouc. Ensuite, au niveau du chargeur, bon, on va prendre un tactique, hein, bien sûr. Le visant, on s'en fout. Et la crosse, tu vas mettre une crosse usagée pour avoir de la précision. Et je pense pas qu'exotique augmente la précision. Voilà. Mais en gros, tu peux maintenir les 12 de précision qui sont amplement suffisants pour tuer des mecs de très loin, quoi. Bon, t'auras une arme qui aura que un mode automatique, mais bon, vu la cadence de tir très faible, franchement, elle vaut le coup, quoi. Ce qui fait que ça peut devenir, c'est l'arme la plus facilement modulable pour le Death Wish, vu que t'as 150 cartouches. Après, franchement, je prends une FAMAS. Donc moi, j'ai équipé un canon court. J'ai équipé un canon court, alors que bon, c'est pareil, quoi. J'équipe un canon court, je mets le Funnel of Fun. Ensuite, je mets le mode auto. L'arme, hein, pour le Death Wish, pour le Death Wish, on aura 10 de précision seulement. Par contre, on est à 45 de dégâts. Et 45 de dégâts, c'est simplement suffisant. Bon, là, elle est à 43. Tu peux tout de suite te dire que ton arme, elle va péter du poney. Vu que la cadence de tir est très élevée, celle-là, c'est plus pour le court moyenne portée. Alors qu'une carcasse, ça va être pour la moyenne longue, voire très longue portée, quoi. Pour tous ceux qui veulent pas utiliser un snipe. Enfin voilà, donc vendez-moi tout de suite la K5, hein, moi je vous le conseille. Et au lieu d'acheter une AK5, prenez n'importe quelle arme qui fasse, n'importe quelle arme fera l'affaire. Tu peux même prendre une AMCAR. J'ai pris une AMCAR et je l'ai modée. J'ai atteint genre, je crois que j'ai atteint 26 de dégâts. Je trouve que je regarde. Donc j'avais mis le Fenton Noir, j'avais mis le Fenton Noir et j'avais mis le Fenton Noir et le tir automatique, j'étais à 28 de dégâts. Donc avec un Amcar, j'ai réussi à atteindre 28 de dégâts, comme pour rigoler. Comme pour rire, quoi. Et bon, après, la pression par défaut est déjà merdique. Je visais pas avec, je visais vraiment pas. Mais elle était vraiment drôle, quoi. Et elle m'a pas coûté un copain, enfin, elle m'a coûté 200 000 en tout, l'upgrade. Donc voilà. Et pour la Thompson, bien sûr, je vous conseille fortement de jouer avec. C'est une arme qui est vraiment très très drôle et très jouissive. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, salut!